Bah, tu sais, ça rappelle quoi? C'est les deux étudiants grecs qui étaient dans un bar et qui. Alors aujourd'hui, nous avons reçu des associations de la société civile, nous avons reçu la chorale Ecosium, un groupe de jeunes artistes et aussi des artistes algériens pour célébrer cette double occasion, la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien et aussi les 16 jours d'activisme de lutte contre les violences à l'égard des femmes. On sait qu'une des violences les plus brutales, c'est la violence engendrée par les femmes en situation de guerre et en situation de conflit armé. Aujourd'hui, les femmes palestiniennes, les femmes gazaouis, les femmes soudanaises, les femmes afghanistanes connaissent des situations terribles. Et pour nous solidariser, bien sûr, on a choisi l'art, on a choisi d'exposer la fresque artistique de jeunes artistes algériens qui se sont solidarisés avec les femmes palestiniennes, une fresque intitulée Kalimat, on a les Alamikouna, nos mots pour vos mots. Et aussi, nous avons reçu la chorale Ecosium, qui a choisi d'interpréter deux chansons en solidarité avec le peuple palestinien. C'est des actions qu'on peut faire à un autre niveau pour dire non à la violence à l'égard des femmes, non à la violence aussi en situation de guerre, et pour dire aussi que la justice des femmes, c'est une question de genre, mais c'est aussi une question des droits humains. Salam alaikum, Zulf Laouen. Marhaba bikoum encore une fois à l'événement qui est une célébration de double, une occasion de double célébration dans les 16 jours d'activisme et la journée internationale de la solidarité avec le peuple palestinien. Kima Alabel, comme Amnesty International, s'est engagé pleinement pour le soutien de la cause palestinienne. Amnesty a travaillé sur plusieurs thématiques, y compris non seulement depuis le 7 octobre, mais aussi a travaillé sur la crise palestinienne dès le début. Vous avez peut-être remarqué notre travail sur les réseaux sociaux pour ce qui est la section algérienne, mais aussi le travail qui a été fait sur place à Gaza. Vous avez peut-être consulté notre rapport à l'apartheid. Au niveau de la section algérienne, nous avons travaillé avec plusieurs acteurs de la société civile, y compris les artistes, pour le travail sur le séjour d'activisme de notre Amnesty International aussi. Amnesty International aussi s'est engagé pleinement pour le soutien des droits de la femme. Nous avons travaillé aussi avec les acteurs de la société civile, les féministes surtout. Nous avons déjà participé à la campagne des pas pour l'égalité. Nous avons atteint comme avec nos membres 840 000 pour l'égalité. Aujourd'hui, je vous remercie pour votre présence, pour cette action, pour cette célébration et pour commémorer ou là pour marquer le soutien pour toutes les violences, que ce soit à l'égard des femmes qui sont victimes de violences et pour les meurtres qui se passent à Gaza. Généralement, l'artiste s'exprime avec son âme. Alors, on n'est pas vraiment souvent doué pour prendre de la parole ou faire des discours, de longs discours. Mais là, aujourd'hui, on est là, on est réunis en tant que, pas forcément en tant qu'artiste, moi je dis qu'on est réunis là en tant qu'humain, parce que ce qui se passe à Gaza ou ailleurs, partout dans le monde, on va oublier peut-être d'autres régions et tout ça. Mais ce qui se passe actuellement dans le monde ne va pas nous laisser indifférents, parce que ce soit la violence contre les femmes, moi ce qui me touche vraiment, je ne peux même pas regarder ça, c'est ce qui se passe avec les enfants aussi à Gaza. Ça, en tant que on est tous parents, ou là on a des amis, tout ça qui chauffe un bébé, ou là des images. Moi personnellement, j'ai boycotté les médias à cause de ça, parce que les images qu'ils nous transmettent, c'est vraiment affreux. Et c'est très dur à accepter qu'il y a quelque part dans le monde, il y a un enfant de l'âge de 2 mois, 3 mois, 4 ans,
et sous le rempart de mots, mais forcément, alors nous, on est là, on va des fois, qui m'en parle de l'arabie, je veux le nation, je parle à un moment, donc je fais une action de solidarité ou ramène. Parce qu'au fond de moi, je parle en tant qu'artiste, je me dis que, est-ce que le chant, parce que nous on est dans le domaine de la musique, est-ce que ça suffit? Certes, eh bien, Safia vient de dire que c'est pas pour demain, c'est pas en mettant un tableau ou bien en chantant que le cessez-le-feu va se mettre, mais au moins, on va dire que chacun participe avec ce qu'il sait faire. Nous, on est des artistes, alors chacun va s'exprimer avec ce qu'il sait faire. L'artiste va créer, le peintre va dessiner, l'acteur va mettre des pièces théâtrales, mais c'est juste un message à l'international que exprimer sa solidarité, c'est quand même assez important. Même si on ne va pas mener une action peut-être politique, parce qu'on va laisser la politique aux politiciens, les actions militaires aux militaires, nous, on est des artistes. Mais là, aujourd'hui, nous, on est réunis en tant que corps de caution et en tant qu'humains pour vous interpréter deux chants. Le premier sera Palestine. C'est une chanson algérienne pour dire que l'Algérien a toujours chanté pour la Palestine. C'est une chanson de Mohamed El Badjir, interprétée et reprise par plein d'artistes, comme Jumalin Reis, Amar Zahé et plein d'autres jeunes. Bien sûr, on va l'interpréter à la manière en polyphonie par la chorale Kosion. Et la deuxième, c'est un chant traditionnel palestinien, Yawma Mouid El Harwa. Et j'espère que notre petite contribution marquera le point de la solidarité ou bien la contestation. Chacun va contester à sa manière. Nous, c'est notre part de contestation. Merci tout le monde. Merci Mohamed. On remercie tous les membres de la chorale et l'espace est à vous.